Coucou tout le monde, nous revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le LVDV numéro 9, donc le vlog du vendredi. Comme tous les vendredis, une vidéo vlog. Je ne savais pas quelle vidéo vous faire et comme ma sœur était vers moi pour mon anniversaire, on s'est dit allez, pourquoi pas vous faire un tag parce qu'on sait que vous adorez les vidéos avec Océane. Enfin, je sais que vous adorez parce que vous me le dites toujours en commentaire. Et c'est souvent merci des vidéos au passage. Et c'est souvent des vidéos avec lesquelles on rigole super bien et que d'après vos commentaires, ça vous fait aussi beaucoup rigoler. Donc on s'est dit allez, on va refaire une vidéo et on va faire un tag parce que j'avais vu une vidéo sur la chaîne de DJ. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est la vidéo The Whisper Challenge qu'elle a fait avec son petit mari. Et j'ai trouvé cette vidéo mais trop marrante. Je l'ai montrée à Océane et Océane, enfin voilà, elle a rigolé aussi. On a trouvé ça super marrant. Et on s'est dit pourquoi pas la faire parce que à part sur la chaîne de DJ, je l'ai pas vue sur d'autres chaînes. Et bah voilà, je trouve ça sympa de faire circuler ce petit tag. Donc je vais vous expliquer vite fait le principe. On a chacune de notre côté, sans se le dire, écrit 5 phrases. Donc c'est pas des phrases genre bonjour, comment vas-tu, c'est des phrases un peu bizarres, qui veulent pas forcément dire quelque chose. Voilà. Enfin, pour ma part. Non mais moi aussi. C'est des, voilà, des phrases qui veulent pas forcément dire quelque chose, mais on en a écrit chacune 5 de notre côté. Océane a pris son téléphone. Non, c'est rien. C'est le truc. Océane a pris son téléphone avec des écouteurs. Chacune notre tour, on va mettre les écouteurs avec la musique à fond. Et l'autre devra nous faire deviner une de ses phrases sur les 5. Donc on en a 5 chacune à se faire deviner. L'autre, le principe c'est qu'elle n'entend pas. Elle va essayer de lire sur les lèvres et c'est assez dur. Je pensais pas que c'était aussi dur parce qu'on a fait un petit test. On a fait un petit test tout à l'heure. Avec une phrase bidon pour voir si vraiment c'était dur. Et c'est super dur. Parce qu'on entend vraiment rien quoi. Donc du coup. Et puis c'est dur de se concentrer avec la musique aussi. Ouais voilà. C'est dur et c'est dur de lire sur les lèvres. Donc voilà. On a trouvé ça marrant et c'est ce qu'on a fait. Donc on a chacune écrit 5 phrases. Ce que je vais faire c'est que au cas où qu'on. L'une ou l'autre ne parlons pas assez fort, je vais vous inscrire à chaque fois la phrase en bas de votre écran. On dirait qu'on est à la télé, en bas ouais. de votre écran. Et puis voilà, donc qui commence? Allez, moi je te fais deviner. Oh. Tu commences. Ok, bon, attends, je mets les écouteurs. Donc tu garantis que t'entends rien. Ah non, promis, bah tu verras après, de toute façon je baisserai pas le son. Vas-y, vas-y. J'entends rien. Déjà là, surtout j'ai du mal à entendre. Non, mais vas-y, mets la musique. Bah oui, bien sûr, je vais la mettre. Donc la phrase apparaîtra ici. Tu m'entends? Non. Non, mais tu me réponds. Non, c'est à fond là, je peux pas faire okay. plus. Attends, non, ce que je vais faire, je vais baisser et j'appuie sur les écouteurs. C'est toi qui vois, du moment que t'entends pas, c'est bon. Parce que sinon ça va trop me taper dans les oreilles. Vas-y. T'entends rien du tout, t'es sûr, t'entends rien, t'es sûr, t'entends rien. Oula. Ok. C'est parti, donc phrase 1. Ok, c'est bon? Ouais. Donc elle va essayer de lire sur mes lèvres. Attends. Je vous mets la phrase. Je me mets en face de toi. Alors, c'est bon? Range ta culotte. Attends, je vais remonter. J'ai l'impression d'entendre un petit peu les fins de phrase. Vas-y. Range ta culotte au fond du réfrigérateur. Attends, refais. Je la fais en deux bouts, ok? Un bout, un tu bout. Tu fais pas un bout, un bout. Range ta culotte. J'aime les anges. Au fond du réfrigérateur. Refais. Tout. Non, juste. Au fond. Au four. Du réfrigérateur. Tu es. Au four, tu es. Je te la refais en entier. Vas-y, refais tout. Range ta culotte au fond du réfrigérateur. Quelque part dans la culotte. Au fond. Au fond de la culotte. Du réfrigérateur. J'ai rêvé de. Alors, c'est quoi la phrase? Au fond de la culotte, j'ai rêvé de. Réfrigérateur. Un canardo. Enlève. Alors vas-y, redis, tu penses que c'est quoi? Au fond de ma culotte, j'ai rêvé de canardo. Canardo le chanteur. Alors je te dis ce que c'était.
range ta culotte au fond du réfrigérateur. Oh mais mon dieu. Oh putain. À moi? Oui. Je te l'armais. Vas-y, vas-y. Ah mais non, mais c'était presque ça. Ça c'est le droit. Ok. Attends, vas-y, mets que ça me casse pas les oreilles d'un coup. Ok. Attends, je vais peut-être monter un peu moi. Ok. C'est bon? C'est bon? J'entends rien. J'y vais, ok? Vas-y, vas-y. Cueillir. Je suis... des champignons. Redis ça, c'est quoi? Cueillir des champignons. Je suis un champignon. Dans la forêt féerique. Dans la forêt féerique. C'est magique. C'est magique. Je suis un champignon dans la forêt féerique, c'est magique. Ah merde. Cueillir des champignons dans la forêt féerique, c'est magique. Ah, j'étais presque. Pas mal. Je me suis bien démerdée, dis donc. Peut-être que tu reviens pas. Ah. Ouais, ça, tu t'es bien débrouillée par rapport à moi. Je suis fière de moi. Phrase numéro 2. Et moi en fait, je te regarde dans les yeux, j'ai du mal à regarder ta bouche. Et... Bah si, moi je regarde la bouche, bah, parce que ouais. C'est là que t'arrives à deviner. Allez, vas-y. Les phrases s'affichent toujours là en bas. C'est bon, tu m'entends pas, c'est bon. Okay. Vas-y, commence. Phrase 2. Peux-tu me faire un café? Oh là, attends, vas-y, tu me reconcentres. Peux-tu me faire un café? Je vais me faire un café. C'est facile, les doigts dans le nez. Avec du lait. Tu veux que je recommence au cas où? Recommence quand même. Peux-tu me faire un café? Je vais me lever, me faire un café. C'est facile, les doigts dans le nez. Ça fatigue de mettre du lait? Alors... Je me lève faire mon café, ça fatigue de mettre du lait. Ok, c'était peux-tu me faire un café, c'est facile, les doigts dans le nez. Ok, ah t'avais reconnu café quand même. Ouais. Et lait, ça rimait avec doigts dans le nez. Ouais, bah ouais, ouais. C'était presque ça. Lait, nez, quand tu y penses, c'est la même prononciation de. Un petit peu. Ouais, ouais, c'était presque ça. C'est bon? Attends, je vais remonter. Vas-y. Là, ça fond, là. Vas-y. Alors, deuxième phrase. Deux phrases? Non, mais la deuxième. C'est la deuxième. En deux. Non. Bon, vas-y. J'aime grimper. J'aime ma lapine. Dans les arbres. Dans les arbres. J'aime ma lapine dans les arbres. C'est quoi ça? Et crier. Et crier. Comme... Tarzan. Oh là mon dieu. Fais-la en deux. Vas-y. J'aime crier. J'aime grimper dans les arbres. J'aime ma lapine dans les arbres. Et crier comme Tarzan. Et quoi? Et crier comme Tarzan. Et les escalopes blanches. C'est tout? J'aime ma lapine dans les arbres et les escalopes. Et les escalopes blanches. Alors, j'aime grimper dans les arbres et crier comme Tarzan. En tout cas, et les escalopes blanches. Et crier comme Tarzan, c'était... Ah, non. Ah putain, tiens. Oh, punaise. Ah, là, là. N'importe quoi. Alors, troisième. Elle est facile. C'est bon? J'aimerais plonger dans une marmite de chocolat blanc. Je la refais? Refais. J'aimerais plonger dans une marmite de chocolat blanc. Fort de fois, fort de fois. Fais pas tout d'un coup. J'aimerais plonger. J'aime le nez bouché. Ouais, ouais, c'est ça. Dans une marmite. Dans du pain de mie. De chocolat blanc. Du chocolat blanc. Alors vas-y, enlève.
Alors, c'était quoi? J'aime le lait. Non, c'était quoi? J'aime. Non, c'était quoi que j'avais dit? J'aime. J'ai dit quoi? Ah, j'ai le nez, j'aime le nez bouché. Voilà. Dans du pain de mie, le pain de mie dans le chocolat blanc. Ok. Et eh ben c'était j'aimerais plonger dans une marmite de chocolat blanc. N'importe quoi. J'en ai marre, ma marmite. Bon. Allez. C'est parti. Attends. Ok. C'est bon. Hier, je suis allée. Hier, je suis allée. Dans un zoo. Dans un chaudron. Et j'ai mangé. Une glace. De l'ail. Hier, je suis allée dans un chaudron et j'ai mangé de l'ail. Hier, je suis allée dans un zoo et j'ai mangé une glace. Le truc a rien à voir. C'est ça. En même temps, aller dans un chaudron et manger de l'ail, c'est un peu étrange. Donc voilà. Ok, alors ça n'a rien à voir, hein. Normal. La 4. Attends. Hein. Oh, elle est chaude celle-là. Elle est chaude? Ouais. Attends, changer de musique, j'ai marre. Vas-y. Petite pause, changement de musique. Ah ouais, c'est bon, j'ai de l'air l'autre. Mais attends, deux secondes, elle va se mettre. Changement de musique. De la tête. Changement de musique. Changement de musique. C'est bon? T'as mis quoi? Ah, d'accord. T'entends déjà plus là? C'est bon? Veux-tu faire des découpages? Refais-la! Veux-tu faire des découpages? Veux-tu faire des découpages? Préfère les tétés du mariage? Ouais. Avec des prospectus. Avec des prospectus. Des muchos pichus. Des muchos pichus. Des muchos pichus. Je ne sais pas. C'est ce que t'as dit. Faut pas inventer des mots, hein. Oui, mais je sais pas, j'ai appris que t'as dit ça. Bon, je la refais. Vas-y. T'entends pas, hein? Attends. Veux-tu faire des découpages? Faut que je trouve la télé du match. Ouais. Avec des prospectus. Avec des mots. Prospectus. C'est toi, pourquoi tu dis Muchu Pichus? Reste sur Muchu Pichus, hein. Avec des mots. Prospectus. Avec des mots. Je sais pas. Prospectus. Des mous. Des. Je te la refais. Vas-y. Veux-tu faire des découpages? Faut que je prenne la télé du match. Avec. Avec. Avec des prospectus. Avec des prospectus. Muchu Pichu, c'était prospectus. Ah, mais on aurait trop dit qu'ils disaient Muchu Pichu. Comme ça. Prospectus. Punaise. Oh, pardon, j'allais dire un gros mot. Ça donne chaud. Hein. Ah, mais oui, déjà qu'il fait chaud comme je sais pas quoi. Ouh. Ah, t'as pas regardé mes trucs, ils étaient à l'ombre. T'es la copine à. Okay. Genre les grosses caméras. Ah oui, attends, faut peut-être que je mette play. C'est nous. Oh putain. Alors, quand je suis fatiguée. Oula. Non, attends, ça a mis. Ah, batterie faible. Attends, je remets. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Non, maintenant. Vas-y. Quand je suis fatiguée. Oh, quand je suis fatiguée.
Non, non, je comprends pas. C'est la musique, c'est ça. Attends. Quand je suis fatiguée. Non, recommence. Quand je suis fatiguée. Non, j'arrive pas. Attends. Quand je suis fatiguée. Dimanche, je suis fatiguée. J'aime. J'aime. Regarder des dessins animés. Mais attends, c'est quoi? Tu fais. J'aime regarder des dessins animés. J'aime le salami. Ok. Non mais attends, attends, attends. Dimanche, je suis fatiguée, j'aime le salami. C'était ça. Alors, quand je suis fatiguée, j'aime regarder des dessins animés. J'avais fatiguée quand même. Ouais. Ah punaise, tiens. Ah, dernière. Toi, il t'en reste une après. Ouais. Ok. Ma dernière. Bah oui, ça va, vas-y. C'est bon? Vivement le 25 décembre. On commence. Vivement le 25 décembre. Attends, je vais mettre l'autre d'avant parce qu'elle. Vas-y, vas-y. Elle est affreuse. Ah. L'autre, on a. À des consentements. Vas-y. T'entends plus là, c'est bon? Attends, deux secondes. Bah, avance, avance. Oh, c'est bon. C'est bon. Vivement le 25 décembre. Faut mettre le bandeau. Ouais. Je veux voir le Père Noël. Sur le radiateur d'Emmanuel. Faut mettre le bandeau sur le radiateur d'Emmanuel. Voilà, il faut mettre le bandeau sur le radiateur d'Emmanuel. Bah oui, pour les cheveux du radiateur, c'est important. Alors, c'était vivement le 25 décembre, je veux voir le Père Noël. Tu vois, Emmanuel, Père Noël. Non, mais attends, vivement le 25 décembre. C'est la fatigue, là, je crois. La dernière. Allez. Ah. Alors. Mamie a perdu son dentier. Oula, ça a été vite. A perdu son dentier. Papy a perdu son dentier. Papy appelle. Quoi? A perdu son banquier. Attends, refais. Mamie a perdu son dentier. Non, tu vas trop vite. Mamie a perdu son dentier. C'est encore pire. Mamie a perdu son dentier. C'est ce mot-là, je comprends pas, tu vas trop vite. Dentier. 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 Jordi, papy appelle Jordi. C'est la fin de la phrase? Oui. Attends. Papy non. Appelle Jordi. Elle va. Refais. Manger de la soupe. Manger de la soupe. Du cassoulet. Alors, papy appelle Jordi la flamme manger des cassoulets. La flamme, c'était ça? Non, la flamme, t'as dit? La flamme, ou je sais plus, manger des cassoulets. Voilà. Alors, mamie a perdu son dentier, elle va manger de la soupe. Non, mais le truc a rien à voir. Et j'ai quand même dit papy au lieu de mamie. Ouais, c'est vrai. J'étais presque là. Ça, c'est un... Ah! Mais j'ai chopé chaud avec ces bêtises-là. On est désolé pour le soleil. Tu vois, je t'avais dit que le soleil, c'était pas... Ouais, c'est vrai. Je suis désolée pour la luminosité, mais... Ah non, on nous voit mieux. Mais ouais, il y a énormément de soleil et je savais pas où on pouvait se mettre. Donc voilà. On espère que ce petit tag, le Whisper Challenge, vous a plu. N'hésitez pas à le faire. Si vous regardez la vidéo et que vous avez la possibilité d'être deux, soit avec votre soeur, votre frère, votre chérie, maman, grand-mère, je ne sais pas, ça serait super que vous le fassiez et que vous me donnez le lien en commentaire, voilà, parce que j'ai adoré regarder celui de DJ et j'en ai pas encore vu dans les personnes que je suis, donc voilà, ça pourrait être super drôle. Et voilà, on espère que ce petit vlog du vendredi numéro 9 vous a plu et je vais éternuer. Tes souhaits. Merci. Oh là là. Merci à vous, hein, si vous me l'avez dit. Voilà, on vous souhaite un excellent week-end, puisque là, nous sommes mardi, mais... Ça va arriver vendredi, donc... Voilà, vous, on entre vendredi. Bon week-end, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez
qu'on refasse des vidéos ensemble et quel genre de vidéo, si vous voulez que ça soit des tags, quel tag ou quelle autre vidéo, voilà, ça nous intéresserait. On notera ça et puis comme ça, dès qu'on se voit, bah, on vous filmera les vidéos. Voilà. Voilà. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, mais c'est dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me rejoindre également sur Instagram, Twitter et ma page Facebook Réaffimo Gourmandise. Tous les liens sont en barre d'infos. Et puis voilà, on vous fait de gros bisous. Bon week-end et à très très vite. Bye bye. Bye. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le petit logo YouTube pour t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça me fera super plaisir et ça te permettra de ne louper aucune autre vidéo. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Et à très très vite.